À l'heure où plus de 80 milliards d'euros s'échangent chaque année dans le secteur du marché public, le traitement des opportunités d'appel d'offres est essentiel mais difficile. Depuis plus de 25 ans, la CCI propose un service de veille à une centaine d'entreprises. L'objectif, récupérer des informations sensibles et utiles qu'elles peuvent ensuite exploiter à des fins commerciales. C'est le cas des remorques mandrinoises, le dernier constructeur 100% français de remorques utilitaires, standard ou sur mesure. Situé depuis plus de 35 ans à Saint-Étienne de Saint-Jouard, à 50 km de Grenoble, l'entreprise travaille avec deux types de clientèle, les particuliers et les professionnels, qui représentent 90% de leur chiffre d'affaires qui s'élève à 2 millions d'euros. Nos difficultés aujourd'hui de traitement de ces marchés sont premièrement le fait que jusqu'à 15 000 euros, nous ne sommes pas au courant car la diffusion n'est pas obligatoire. Autre problème rencontré avec les marchés publics, c'est le manque de connaissances des acheteurs qui malheureusement dans les appels d'offres ne nous communiquent pas tout le temps les informations nécessaires à l'établissement d'un prototype ou d'un devis. Il y a deux ans, un partenariat a été établi entre les remorques mandrinoises et le Centre de commerce international de la CCI de Grenoble. Plus communément appelé le GREX, sa mission consiste à offrir un coup de pouce dans les projets d'implantation commerciale et industrielle en utilisant les meilleurs prestataires. Il s'implique aussi dans la recherche de clients, fournisseurs, partenaires industriels, agents ou distributeurs. Les différents outils que nous proposons aux entreprises, c'est tout d'abord un système de veille personnalisé. L'entreprise reçoit tous les matins un email, une alerte email avec la liste des appels d'offres qui la concernent et nous bâtissons les profils de façon très fine avec elle. Ensuite, c'est une aide concrète pour comprendre le dossier de consultation, pour savoir quels documents il faut mettre dans son dossier de candidature. Et enfin, c'est une compréhension, essayer de voir quels usages, quelles informations ils peuvent retirer de cette veille à des fins de prospection commerciale. En s'appuyant sur le club des adhérents grecs et sur des réseaux spécialisés comme Entreprise Europe, la CCI accompagne les structures au-delà des frontières européennes, comme au Japon, en Amérique et Afrique du Nord, en Chine et en Russie. Nous essayons aussi de pousser nos entreprises à répondre à des appels d'offres dans d'autres États membres, voire à l'international. Et nous sommes très heureux de voir que Remorque Mandrinoise, par exemple, a franchi le cap en répondant récemment à un appel d'offres sur la Suisse et qu'ils envisagent éventuellement de le faire sur d'autres pays comme l'Allemagne, les pays du Maghreb, etc. En adaptant ses programmes à la stratégie de chaque entreprise, la CCI parvient à satisfaire les débutantes comme les plus confirmées. Cette structure nous a permis, dans un premier temps, de toucher de nouveaux marchés, comme les marchés des collectivités locales. Nous permet aussi aujourd'hui d'envisager l'export, puisque nous travaillons avec eux depuis le mois de mai sur le développement sur le marché algérien. De même que nous travaillons avec eux sur des marchés publics européens. Donc nous avons continuellement, depuis deux ans, de nouveaux projets de développement avec leur aide. Et nous pouvons dire que notre chiffre d'affaires a progressé grâce à eux et aux appels d'offres publics de entre 6 et 10% sur les deux dernières années.